Bonjour à tous et bienvenue pour de nouvelles initiatives en Corrèze. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Coulanges de la Brasserie des Anges à Chambolive. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors comme beaucoup d'artisans, vous souffrez également du reconfinement. Comment ça se passe de votre côté ? Eh bien, donc il y a deux parties. La première, donc, je suis effectivement brasseuse, donc je fabrique de la bière et je la vends. Et les vendredis soirs, je fais bar à bière dans ma brasserie. Et là, effectivement, ça c'est à l'arrêt complet. En revanche, je continue à produire de la bière et à vendre un tout petit peu. Donc le bar est fermé, comme tous les bars, mais la partie vente et la partie boutique, elle, continue. Ma boutique fait partie des points de vente qui sont autorisés. Donc les gens peuvent continuer à venir acheter de la bière. Mais on sent bien qu'en ce moment, c'est beaucoup plus calme. Après cette période-là, novembre, c'est toujours une période un petit peu creuse. Donc on verra d'ici la fin du mois comment ça évolue. Et avec les fêtes de fin d'année qui approchent, comment vous appréhendez ce deuxième confinement ? L'inquiétude, c'est pour les semaines qui viennent. Avec en particulier, si le confinement est prolongé au-delà du 1er décembre, ce qui voudra dire qu'il n'y aura pas de marché de Noël et ça va être beaucoup plus compliqué. En sachant que là, voilà, on sera vraiment sur une période de vente importante pour tous les commerçants et artisans. Et donc, vous vous préparez à mettre des choses nouvelles en place ? Et je pense que là, en revanche, voilà, il faudra vraiment que je mette en place soit les livraisons, soit le pick and collect, c'est-à-dire prévoir des rendez-vous. Proposer des livraisons, ça c'est sûr et certain, et communiquer par l'intermédiaire des réseaux sociaux, de mon site internet et de tous les médias disponibles pour pouvoir proposer les produits, tout ce qui est pack cadeau pour Noël, et que les gens sachent ce qu'ils peuvent trouver à la Brasserie des Anges, à quel prix et dans quelles conditions. C'est-à-dire soit ils pourront venir retirer les commandes, ils peuvent venir à la boutique puisqu'elle est ouverte. Et contrairement à des libraires ou d'autres commerçants, vous vendez quelque chose de fragile, des bouteilles de verre. Est-ce que ça s'envoie, ça ? Les expéditions sont compliquées. Justement, pendant le premier confinement, j'avais fait quelques expéditions par l'intermédiaire de points relais, parce que c'est ce qui est le plus abordable. Et j'ai eu des grosses déconvenues. Les colis me sont revenus 2 jours après, complètement explosés. Alors que j'avais quand même pris soin d'emballer correctement, évidemment, mes bouteilles. Et ces livraisons en point relais, avec donc, des systèmes très automatisés, c'est pas adapté aux bouteilles. Et d'ailleurs, ils le marquent la plupart sur leur site, qu'on ne peut pas envoyer de bouteilles et que ça ne peut pas être pris en charge. Et du coup, là, ça complique la donne, parce qu'un carton de 6 bouteilles de bière, c'est assez lourd, j'ai comparé à des vêtements ou une boîte de pâté, et c'est fragile. Et ce qui fait que les frais de port sont très élevés. Et là, j'arrive pas à trouver de solution par rapport à ça, un compromis entre un mode d'expédition qui soit à la fois fiable et abordable. Vous restez du coup avec une clientèle locale ? C'est ça, ouais, tout à fait. Voilà. Et là, c'est les limites du truc, quoi. Et comment cette clientèle, elle réagit ? Je trouve que par rapport au premier confinement, il y a vraiment eu une prise de conscience des consommateurs que les commerces locaux sont super importants, surtout en zone rurale. Et j'ai déjà des commandes, si vous voulez, pour les fêtes de Noël. Et ça, c'est rassurant, ça fait chaud au cœur. Et je pense que ça veut bien dire que les consommateurs sont attachés à leurs commerces locaux et à leur production locale. On ne le dira jamais assez, consommez local, allez voir les artisans, il y en a près de chez vous. Merci beaucoup Stéphanie Coulanges. Donc je le répète, Brasserie des Anges à Chambolive, merci à vous. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve très vite pour de nouvelles initiatives en Corrèze.